Il y a des cinéastes qui cherchent avant tout à mettre en relief l'humain, soit face à lui-même, soit face à la nature, soit tout simplement face au berceau qui l'a mis au monde. On en compte bizarrement de moins en moins, de ces auteurs et de ces metteurs en scène qui veulent mettre en perspective notre rapport en tant qu'humain avec notre planète, avec ce qui nous a construit avec le temps, avec l'espace et avec notre évolution. Mais en un sens, cela ne m'étonne pas, au vu de comment nous sommes en train aujourd'hui de traiter ce qui nous a mis au monde, alors que justement, on devrait plus que jamais en prendre conscience. Mais durant une bonne partie de la fin du XXe siècle, de nombreux auteurs cherchaient avec une véritable et profonde logique à mettre en forme cela au cœur d'œuvres de cinéma cherchant à jouer avec nous, mais également bien au-delà de leur forme divertissante, à nous poser comme les témoins d'une époque charnière où le changement était déjà en marche et où nous allions potentiellement être le maillon nécessaire à la remise en question profonde de notre mode de vie, mais où bizarrement, le cinéma n'a pas réussi à se poser comme l'élément déclencheur même si clairement le cinéaste ici présent a toujours, ou presque, cherché à mettre cela en relief au sein de sa filmographie. Un cinéaste français passionné par nous autres, congénère par l'histoire de l'humanité, mais également par nos actes passés, présents et futurs, au cœur d'une filmographie cherchant habilement à jouer entre nature et humain. Un metteur en scène français qui a toujours passionné par la justesse et l'intensité de ce regard, souvent considéré comme un peu trop fermé par une vision souvent répétitive de son expression artistique, mais parvenant tout de même, avec une réelle justesse et une véritable force d'impact, à emporter le spectateur de bout en bout. Jean-Jacques est un auteur fascinant en cela, qui peut-être, avec le temps, n'a pas toujours réussi à parfaitement emporter avec lui sa vision unique et singulière du cinéma, mais a toujours cherché, en un sens, à rester fidèle à ses idéaux de défense de l'humain et de la faune, pour donner lieu à des œuvres de cinéma sonnant souvent comme des odes à l'aventure et à l'ouverture d'esprit. Et cela, au cœur d'un de ses premiers coups d'éclat et à un moment de génie, on le ressent tout particulièrement. Une œuvre qui a su, par son universalité graphique et narrative, se poser comme un maillon assez rare de la production audiovisuelle, portant en son sein un message historique et dramatique assez génial, et pourtant d'une si grande simplicité, en s'agissant de nous transporter dans le temps pour une œuvre comptant l'origine de l'humanité avec ces trois hommes, en quête d'une flamme sacrée signifiant l'aube de notre civilisation. La guerre du feu est un objet de cinéma rare, une œuvre explorant non seulement les débuts de nos origines en tant qu'hommes modernes, mais se posant également avec une infinie justesse et une douceur si subtile car on devient terriblement évocatrice la base même de ce que nous sommes, soit des êtres pensants, agissant et éprouvant avec émotion, nos rapports avec nos semblables, pour un moment de cinéma qui reste encore aujourd'hui une exploration délicate et simple de ce que se doit d'être une œuvre universelle, soit simplement une œuvre qui saisit avec justesse une émotion à fleur de peau portée par un récit évocateur. En cela, Anneau porte avec justesse un film rare et quasi parfait, il faut bien l'admettre. Dès ses débuts, Jean Jacques Hano a su marquer les esprits, et si son cinéma s'est aussi rapidement imposé comme visionnaire et surtout comme emblématique d'une certaine période française, c'est parce qu'il a toujours cherché, par de nombreux aspects, à rester fidèle à ses idéaux et ses motivations. Son cinéma parle de nature, parle d'humains simples, parle d'animaux face à nous et notre côté bestial. Au fond, son cinéma veut nous explorer, nous disséquer comprendre et interroger ce que nous voulons faire de notre temps et ce que nous souhaitons faire de notre époque. Et en ce sens, son cinéma a cette forme et cet aspect évocateur pour le tout un chacun. Que l'on soit un grand défenseur de la nature, un profond amoureux de l'humain ou simplement quelqu'un cherchant à comprendre notre temps, tous ces aspects-là se retrouvent dans la filmographie d'un metteur en scène qui ne cesse avec le temps de nous pousser à nous interroger sur ce que nous pouvons faire pour pousser notre époque et notre évolution encore plus loin, et pas que technologiquement, mais psychologiquement. Et émotionnellement aussi. Et cela, on le ressent très bien dans l'une de ces expériences qui reste, entre guillemets, très grand public. Une œuvre au cœur de laquelle il a cherché, avec le plus de simplicité mais également de clarté, à construire un récit initiatique sous la forme d'une quête, celle d'un homme sur lui-même, celle d'une époque sur le monde, celle d'une bascule historique à la fin d'une autre, qui a changé un continent et qui a surtout assouvi un peuple, ne cherchant qu'une paix immuable, qu'un homme trouvera en rencontrant ce qui deviendra ses semblables. Sept ans au Tibet est un beau film. Un film dans lequel Anno insuffle tout ce qu'il désire pour l'homme, tout ce qu'il souhaite pour ses congénères, mais également tout ce qu'il redoute sur notre temps et sur notre futur, pour un récit qui se veut politique, mais avant tout humaniste par la démarche de son personnage, par l'évolution de son parcours et par la mise en relief d'une rencontre qui va changer la vie de Heinrich et qui va lui permettre de constater les injustices du monde par l'œil d'un cinéaste ne cherchant qu'à montrer la cruauté et la réalité d'un temps qui semble avoir plus que jamais une résonance profonde. Un film phare et fleuve symbolisant littéralement une bascule au sein de la filmographie du réalisateur français. Jean-Jacques Hanot est ainsi ce que l'on pourrait assez péjorativement qualifier d'humaniste en évoquant un peu sa filmographie comme un long pamphlet, un poil naïf mais pour autant juste, de ce que l'humain peut avoir de meilleur et de plus évocateur à offrir pour imaginer que le monde puisse devenir justement meilleur. Le plus grand défaut d'Anneau aura pourtant toujours été sa plus grande motivation, vouloir toucher le grand public. Et c'est peut-être dans cette partie de sa démarche cinématographique et dramatique que l'auteur n'a pas su saisir ce qu'il devait faire pour donner lieu à un peu plus que des divertissements honnêtes mais assez vagues. Mais ainsi, en cherchant à toucher le tout un chacun, le metteur en scène français réussira tout de même, dans la grande majorité de son temps, à emporter son cinéma dans ce qu'il a toujours estimé être la meilleure voie possible pour porter son message, même si parfois, il faut bien l'avouer, sa démarche n'a pas toujours su nous emporter. Comme le prouve malheureusement en un sens très bien son dernier film, entre guillemets, à l'américaine. Un film qui se voulait être un objet assez fascinant, nous contant de manière romanesque la montée en puissance d'un homme, dans une époque où le choix, celui de se moderniser ou de rester ancré dans un certain temps, devait symboliser le passage dans le monde moderne de l'humanité, pour parler avant tout d'un fils coincé entre deux pères, mais surtout entre deux visions de son pays et de son peuple. Or noir est un film profondément maladroit dans sa démarche, car si Hanno comprend l'épique et le romanesque de son épopée, il ne réussit jamais à saisir la complexité mais surtout la forme dramatique de ce conflit, se perdant dans une dramaturgie trop tranchée entre deux temps trop distincts, où le premier sonne comme lourd et trop explicatif dans ses dialogues, et où l'épique du deuxième temps cherche à rattraper les maladresses évoquées avant, pour un moment de cinéma qui reste fascinant et poignant, mais qui manque de singularité pour réussir à nous donner l'impression qu'il s'agit de plus. D'une énième épopée romanesque très à l'américaine. Nous amenons aujourd'hui à ce long métrage particulièrement risqué, mais terriblement dans l'air du temps. Voir aujourd'hui le cinéaste français revenir avec un tel sujet sonne presque comme une prise de risque extrêmement audacieuse de sa part. Car si Hano peut donner lieu à un moment de cinéma surprenant, il peut aussi se perdre dans la peinture trop vague et un poil trop pathétique d'une tragédie qui a clairement laissé une empreinte dans les esprits des français, choqués par ces images encore si proches. Notre-Dame Brûle est un projet audacieux, mais dans la pure logique du cinéma de Jean-Jacques Hanau. Soit ce besoin de parler de nous avec le plus de simplicité et d'émotion possible, pour un projet qui sonne comme l'une des œuvres les plus ambitieuses du cinéma français moderne, pouvant sonner comme un pari audacieux et un poil casse-gueule de la part du metteur en scène français. Mais entre ses mains, on peut imaginer un peu tout se mettre en place, le pire comme le meilleur, le fantastique comme le plus hasardeux possible. Nous verrons ce que ce cinéaste marquant risque de laisser comme empreinte au fil d'une œuvre qui, je le pense, sera un tournant à la fois dans sa filmographie et aussi au sein du cinéma français.